Gilles, ce soir, une victoire super importante, ça fait du bien. Ça s'est construit comment cette victoire? Ça s'est construit patiemment parce qu'on a bien démarré les 10-15 premières minutes et puis après on s'est relâché, on a fait des fautes un peu bêtes. Eux, ils ont monté le niveau, ils ont vraiment bien joué. Mais bon, on était toujours proche au score, donc on s'est dit qu'en deuxième mi-temps, si on mettait bouchée double, on allait revenir au score, c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc ouais, on est très heureux, ouais, très très heureux. Vous avez surmonté les cartons jaunes, vous avez réussi à ne pas prendre de points justement. Ouais, ben en fait, au moment où on prend les cartons jaunes sur la fin de la première mi-temps, on est à 10-6. On se dit que si on reprend un essai ou 3 points, ça va être compliqué. Je crois qu'il reste une pénalité en fin de première mi-temps qui est quand même importante. Donc ça nous laisse un peu dedans. Et puis voilà, en deuxième mi-temps, les joueurs reviennent, on joue à 15 et on sent qu'ils ont un peu la pression. Forcément, à la maison, il ne faut pas trop faire de faux pas, donc c'est compliqué et on a réussi à prendre le dessus en deuxième mi-temps. Et quel final ? Ouais, quel final. On arrive, on marque deux essais coup sur coup, voilà, et après on tient un score, donc avec beaucoup d'envie, beaucoup de solidarité, donc c'est top. Merci. Un plaisir.